Et salut, c'est Nico de VTT Plaisir. Aujourd'hui, on teste le vélo à la Monnière sur hier. Corona. Corona. On est tous à 1 mètre d'écart. Pour respecter les procédures du ministère de la Santé. Moi, c'est pas pour respecter les procédures. Hein. On s'est même pas fait un bisou, c'est vous dire. C'est clair. Allez, à tout de suite sur VTT. Ça manque. Alex, il est malheureux. Ouais, c'est vrai, je suis malheureux. Karkaran, aujourd'hui dans la vidéo, il y aura Alex. Bonjour. Même pas un gros mot, il a changé. Le géant vert devant, c'est Bob. Oh, ah, c'est pas poli ça, Berk. Ouais, mais ça fait pas de bruit. On a Lolo, le beau gosse Musicos. Il est où? Il est là. Et à l'arrière, on a Seb qui inaugure aussi un nouveau vélo. Salut. Moonraker Foxy. Voilà, un beau single bien lisse, bien roulant. Voilà. Donc toute première descente avec le Genus, le Genus 960. Oh, déjà voir un peu ce que ça vaut. Déjà il y a la selle en bas. Bon, niveau freinage, je vous cache pas que c'est autre chose. En plus, une petite descente honnête bien joueuse. Voilà. J'ai un peu surgonflé les pneus, mais je l'ai fait sciemment. Vu que c'est les pneus d'origine, c'est toujours un peu plus faiblard. ADFCI ? Ok, merci. Ah oui, là je connais par contre. Là, cette partie je la connais. Bon, on a l'arrière qui est taquin. L'arrière est taquin. Peut-être dû au pneu. Mais l'arrière part vite en glisse. Par contre l'avant, pour l'instant, c'est un rail. Hop. Mais le freinage, c'est du pur bonheur. Alors, je peux doser le freinage. Même si j'appuie fort, ça bloque pas déjà. Ça c'est plutôt un bon point. Niveau amorti, bon bah ça je l'ai déjà dit, c'est un régal, hein, mais bon, on peut pas comparer un XC et un Honda Mountain. Petit saut. Ah, l'entrée en matière, elle est sympa. Voilà. Il nous a lâché le nose turn, ça y est. Oh, joli. Hop. Ah ouais, le trou. Attention sur ta gauche. Ah, j'ai pas baissé la selle. Tiens, on va pouvoir s'y faire ça aussi. Pas mes automatismes encore. Hop. Gaffe, caillou sur la droite. Ah, ça m'a déconcentré ça. Ah, les descentes ici, franchement, c'est un autre style, c'est bon. Putain, il n'y a rien pour les guidons larges là. Attention. Wow. À l'arrière, il est taquin. Il se met vite en travers. Je ne sais pas si c'est pas le pneu qui fait ça. Ça remonte là? Oh putain! Ah ouais! C'est mignon là!
Tiens mon poulet. Ouais, j'appelle Alex mon poulet. Allez, ça y est. Montée bien pentue et cassante. On va voir un peu si ça grimpe. Mais bon, pour l'instant, j'aime bien. J'ai l'arrière qui reste plaqué. J'ai du grip. Donc en 32-50. Derrière, ça gueule. Bon, il est assez précis quand même en trajectoire, c'est bon ça. Bon, par contre, j'ai un conseil pour la transmission. Si vous roulez par chez moi, ou si vous avez le même style de montée, shootez le 32. Laissez tomber. Optez plus pour un 30 ou un 28 parce que à le 32, laisse tomber quoi. Et Seb est le même avis que moi sur le Moonraker. 32 dents pour notre pratique. À bannir, ou alors vous avez des gros cuissons. C'est pas trop bloqué à l'arrière. Ça efface, c'est impressionnant. Ça efface les erreurs de trajectoire, c'est impressionnant. Et les trois autres là, ils ont dû descendre comme des ballonnettes. C'est bien pour ça quoi, les singles ils sont vraiment propres quoi. Sur les genoux et les coudes. Même si j'ai oublié les genoux à la maison, je sais, c'est pas bien. Voilà. Là, il est dans son domaine, le Genus, j'ai envie de vous dire. Voilà quoi. Je suis dans du pentu. Il y a de la bosselette. À gauche, Lolo. Il y a de la bosselette, il y a du roulant joueur. Bon, ben voilà. Bon, il y a même du jump, mais bon, on n'en est pas là. Hop. Je sais pas où ils sont partis. Allez, on va passer par là. Ah, ils sont là. Oh, ils sont pas si loin pour finir. Attention, pas à gauche. Hein. Ouais, voilà. Putain, il y a des jumps partout et j'ose pas. Oh, c'est un régal. Je relevais les poulets. Yeah. Hop, j'ai pas envie de sauter. Oh, et ça roule. Ça roule super bien les amis. En descente franchement et en plus il est pas bien réglé. Hop. On l'a réglé vite fait à l'arrache. Enfin, surtout Fabrice. Hop, c'est à gauche. Oh, et puis au dernier moment tu changes d'avis. Paf. Ah, j'ai bien compris. L'angle de chasse, c'est pas pour rien. Thank you.
Ah oui, non, on va pas faire ça. Ça c'est sûr, je m'en rappelle ça. Tout est tellement plus simple d'un coup. Et voilà, VTT plaisir, c'est terminé. Alors on va faire un petit point. Hein. Alors niveau suspension, alors moi je découvre hein, ce Allmountain. Donc moi je suis content de la suspension. Le freinage aussi. La transmission, comme je vous ai dit sur la vidéo, le 32 dents. Cracky gueule. Ouais, cracky gueule. Le 32 dents, faut le dégager. Je pense que chez nous, un 32 dents là-dessus, non. Non, non, un 30 ou un 28 peut-être. À voir dans le futur. Les pneus aussi, j'ai des 2-6. Les sections 2-6, et honnêtement, si je peux descendre, je pense descendre un peu parce que j'ai l'impression de côtoyer Scotty en fait là, pour être tout à fait honnête. C'est un peu trop gros pour moi, mais sinon tout le reste ça me va. Un poste de pilotage avec la potence courte, je m'y fais. Le fameux angle de chasse que je vous ai dit que j'avais un gros doute, ben, j'ai vite compris en descente pourquoi ça servait. Et pour finir, ben voilà, je suis content, j'ai un vélo neuf. Je suis content, je suis heureux. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. Amusez-vous bien. Surtout, prenez soin de vous. Hein, en ce moment, on ne sait pas ce qui va nous attendre. Et faites du vélo. Bisous. Puis allez voir sa chaîne. Merci.